Bonjour, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, chronique d'Inet TV, place des analyses objectives. Maman m'a passé à prat à bourrer, j'ai bien reçu les messages que tu m'as envoyés, j'ai bien capté les messages. Chantal Bomolo, la grand-mère de tout le temps, assieds-toi là-bas aussi, tu auras ta part dans les messages ici, soit dans la vidéo ici. Avant que je commence, mes chers amis, vous savez, l'idéologie que je fais toujours dans la vidéo ici, partagez la vidéo, commentez si vous avez des commentaires, partagez les vidéos, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, likez la vidéo avec, aujourd'hui c'est la vidéo que je fais avec chemise intelligente, maman m'a pas ça, chemise intelligente, oyo, nalikangu na yo, akopusa jamais, à côté, pemena na chemise, oyo. Chemise intelligente, avec 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max. Ya lokutate ya mbongo. Zana clé ya kukanga. Na fungoli pe. Otali. Pro Max. Tala. Iza lokutate. Pro Max 14. iPhone 14 Pro Max ya ngwana. Donc, so inaza ko sa la vidéo. Quand je fais les vidéos comme ça, maman pas ça. Je suis pas affamé comme toi. Quand je fais des vidéos comme ça, je ne cherche pas de salaire chez quelqu'un. Je le fais parce que j'ai l'amour de ma sœur Nikki Menga. J'ai l'amour de mes filles, Keina Ipupa et Kelia Ipupa. J'ai l'amour de ma famille. J'ai l'amour des femmes africaines. J'ai l'amour des femmes congolaises. Je dois les défendre. Nganaza lokola yo te, maman. Ah, maman. Si aujourd'hui, Nana Ketchap est insultée, c'est à cause de ces bidoffes de femmes là-bas. Vous, les femmes sans valeur, vous faites insulter la concubine de Fally Ipupa. En aucun jour, je dirais que Nana Ketchap est la femme de Fally. Jamais. C'est une concubine. Elle n'est pas reconnue par la famille de Fally Ipupa. Prévenez que quand Fally est intronisé comme un prince, on a chassé Nana Ketchap aux côtés de Fally Ipupa. C'est une femme qui n'est pas reconnue par la loi traditionnelle de la tribu de Fally Ipupa. Il ne faut pas distraire les gens. Maintenant, maman m'a pas ça. Yomutu, Ozakofinga, quand tu insultes Nikki Menga, que le pite. Quand tu prends le temps de prononcer de tels mots, une femme vulgaire, maintenant, tu m'envoies à dénoncer les vérités sur la vie de Nana Ketchup. Je ne sais pas si tu es capable d'assumer Chantal Bomolo, la pute de tout le temps. Je ne sais pas si tu es capable d'assumer les réalités. Ce ne sont pas mes réalités, mais ce sont les réalités qui sont partout sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi. C'est les réseaux sociaux. Ce sont des vidéos qui sont venues de Sarah Tola, de Tina Ipupa, pas moi. Alors, soyez prêts. Quand vous insultez Nikki Menga Pete, vous m'insultez Fojo. Mais d'abord, je te dirai une chose, Chantal, maman Mapasa et Chantal Bomolo. Depuis que tu es né jusqu'à ce que tu vas mourir, maman Mapasa, depuis que tu es né, juste aujourd'hui et jusqu'à ce que tu mourras, tu n'auras jamais un homme comme moi. Maman m'a pas ça. Depuis que tu es né, je le répète, depuis que tu es né, jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais eu un homme comme moi. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour où Dieu va t'appeler, tu n'auras pas un homme comme moi. C'est impossible. Tu n'es pas attirante. Tu n'es pas joviale. Tu n'es pas une femme une femme de comportement normal. Tu es une femme vulgaire. Tu es une petite. Tu as grandi dans la prostitution. Tu as grandi dans une famille qui n'est pas, qui n'est pas stable. Toi-même, tu as une mentalité qui n'est pas stable. C'est impossible et inconcevable de trouver un homme assis
comme moi, un homme bien tapé comme moi, un homme avec H majuscule comme moi. C'est impossible, maman, ma passe. C'est impossible. Tu peux tourner partout. Même si tu payais les hommes pour venir à toi, il n'y aura pas un homme comme moi. Tu vois les hommes qui courent après toi, ce sont les hommes que tu peux avoir, mais pas un homme comme moi. Pas un homme comme moi avec une chemise, hein, la chemise comme ça, chemise intelligente. Toi, tu ne peux pas voir ça. Tu m'insultes. Tu me vois, je suis simple comme ça. On me voit simple. Gucci, tu connais ça? Ça, c'est original. Tout ça, c'est original. Regarde, ça, c'est déjà vintage. Ça, vous me voyez avec la montre ici chaque jour. C'est vintage. DJ. Vintage. Ça, là. Mais je suis simple. Puisque je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour les messages. Wana skazoloba. Eh, mutangwaza danger. Wana mama passa skazolo. Azo kamwa. Mama passa koka mwate. Koka mwate. Eza ba verite. Nga naza komiye la te. Bien ke ofingi na yonga. Ofingi nga okomemanga na TikTok. Nga nazo ya sika na TikTok. Nga nuna koma na TikTok ite. Natikala naza na tante, l'état ne me permet pas. Mais dimanche oyo si tout va bien. Naza na TikTok nanga ba chaîne ya kotoyo. Oyo okiki jamais koye bakutu. Parce que oza mentalement fort été poye oye ba makamu na salaka. Mais na je pense que soki na zuta dimanche na kosala TikTok sika na kombo nanga ya Gilmas. Comme ça oza otambola. Ozu anga kuna, otala kapenga kuna, to solola. Parce que bino bombokanisi ke TikTok eza kapona bino. Nga sika YouTube, ndesi la seule moyen oyo nga na zwaka. Parce que nazi pas beaucoup de temps. J'ai pas du temps. Nana makambo ebele na osala. Nana lokola yote. Yango na oti koloba, okotika la jamais ko zwa. Tu n'auras pas. Depuis que tu es né, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu mourras. Tu n'auras pas un homme comme moi, un homme avec H majuscule. Au moins, bato bala la kayo chante, maman ma passe. Bato baza kola la yoana. De catégorie o yoko zwa. Zwa kaksika moko na bango. Compareye na unanga. Compareye kaka. Nangai. Sika na ringina kota makambu ya ser nangai. Niki menga Barcelone. Ofingye mulaso. Pita zola la nabaso kini. Olobi makambo ebele epi ofingi nga batinde nga bakaptiri. Batinde nga nazuso ki bababa mesai bakaptiro. Bakatikati ba emisyon. Batinde nga 3 emisyon epa batu different. En tout cas j'ai pris bonne note na moni ke. Ozo banga kutu. Ozana somo ya koloba loba makambo nanga. Ozana somo ya kobimisa kombo nanga na mouniko. Pasko yebi. Oko yako tuta bordire pamba. Omoni niki menga oyo boza kofinga na kobana nanu ne bandeli niki menga wana c'est la femme oyo a même la première femme na vie a fali oyo a même a fali na meri niki menga c'est la seule femme la première femme de la vie de Fali Poupa qui lui a amené à la mairie. Fali dans sa vie la première femme qui oyo agira qui agira il agira devant une femme pour la première fois devant la mairie. Pour les meilleurs et pour les pires. Dans la maladie et dans la joie. Toutes ces choses-là. Fali les a dit, les a prononcées devant Niki Menga. C'est Niki Menga qui est la première dame de Fali Poupa. Que vous le voulez ou pas, c'est ça. Que vous montez ou descendez, c'est ça. Niki Menga. Oboza Kofinga. Elle a protégé les affaires de Fali. Même si ils ne sont plus ensemble. Elle a protégé les affaires de Fali. Que vous le voulez ou pas, c'est ça, c'est la réalité. Que Niki soit, que vous appeliez Niki Menga bipolaire, ou Moulasso, pute. La réalité est que, avec ça, avec Moulasso, avec bipolaire naïe, elle a su à éduquer les affaires de Fali et Popa. On ne peut pas changer ça. Ce sont des choses normales. Maintenant qu'on va parler de la vie des pites, comme vous aviez dit, de la prostitution, on va entrer dans les deux cas.
il y a le camp des concubines et de la première femme de Fali, pour pas qu'on appelle Barcelone, la femme avec F majuscule. La femme ici, Fali est venue vers elle. Ce n'est pas elle qui est venue vers Fali. C'est Fali qui est venue vers Nicky Menga. Nicky Menga, mineure, âge de 16 ans, elle était à l'âge de la découverte. Elle était au moment où elle devrait se découvrir qui est-elle, comment la vie amoureuse marche. Elle était à ses débuts. Mais elle s'est tapée devant un vieux homme manipulateur appelé Fali Ipupa. Vous savez comme les choses sont parties. On a dans leur amour, dans leur vie d'amour, leur vie conjugale, nous avions eu le premier fruit qu'on appelle Keina Ipupa. Fali, quand il va à Côte d'Ivoire, plus de 2-3 fois au Cameroun aussi, il a déclaré de sa propre bouche que Keina Ipupa, c'est sa première fille. Et il a donné même, pour aller très loin, il a donné à Keina le nom de Monica. Monique, c'est le nom de la mère de Fali Ipupa, paix à son âme là où elle est. Repose à paix. On ne doit pas changer de réalité. Les parents de Fali Ipupa nous ont quittés. Pendant ce temps-là, Fali était entre les mains de Nicky Menga. On ne peut pas changer l'histoire. Donc les parents sont partis à sachant que leur fils est marié quelque part. Leur fils était marié et père de famille quelque part en Europe. Fali qui est là, il est reconnaissant. Il sait que sa première femme de vie, c'est Nicky Menga. Même si les choses n'ont pas marché comme il fallait, la vérité est que Fali a eu des enfants avec Nicky Menga. Vous n'allez pas changer ça, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Maintenant, vous qui disiez que Nicky Menga est pite, je vais aller maintenant sur le point B, où ça peut faire mal à certaines personnes, mais il faut que les réalités soient ouvertes à tout le monde. Sarah Tola nous a dit dans beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, elle nous a dit que Nana Ketchup, c'est une femme de boulevard. Et c'est confirmé par beaucoup de personnes. Elle nous a dit que c'est une femme qui est de couloir. Vous connaissez les noms couloir, les noms boulevard. Vous le savez à terme congolais. Ce sont des femmes qui sont passées par la prostitution au jeune âge. Ce sont des personnes qui ont vécu avec des personnes comme Chantal Bomolo. Tu ne peux pas avoir une femme de valeur, une femme de caractère humain qui a vécu avec Chantal Bomolo. C'est impossible. Puisque ce sont des femmes qui ont vécu la vie de la rue. Elles ont passé presque toute leur vie dans la rue. Ils connaissent la rue, ils connaissent la vie de la rue, la vie de Pakajumba, la vie de couloir, la vie de boulevard. Ça, Chantal Bomolo, il connaît. Maintenant, quand vous insultez Nicky Menga à ce niveau-là, n'oubliez pas que vous avez de l'autre côté la concubine de Fali Ipupa qui a fait la réalité, la vraie vie pareille. Ne soyez pas étonné quand vous voyez Fali dormir dans les hôtels chaque jour. Posez-vous des questions. Pourquoi, s'il a une maison avec les enfants, pourquoi il préfère dormir à l'extérieur, dans des hôtels? Maman, parce que je vais te donner seulement un petit entre parenthèses. Pourquoi chaque fois quand Nicky Menga est à Brazza, Fali aussi doit être là? Une question. Au moment où je vous parle, Fali était à Brazza, Nicky Menga est à Brazzaville. Question, point d'interrogation. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails puisque je vais faire la vidéo là très prochainement, vous donner des révélations choquantes. Alors, quand vous parlez de la prostitution, il faut avoir des preuves tangibles. Il faut avoir des paroles convaincantes. Il ne faut pas seulement faire les vidéos pour chercher les vies. Il ne faut pas chercher les vidéos, faire les analyses à la con. Pendant qu'il y a des réalités qui sont là. Il n'y a personne qui a vu Nicky en train de se prostituer. Il n'y a personne qui a vu Nicky en train de faire de la prostitution à Brazzaville. Mais il y a les gens qui ont vu.
Nana, la concubine de Phali Poupa, en train de se prostituer avant le mariage. La concubine de Phali Poupa, qu'on appelle Nana Ketchup, a quitté Phali parce que Phali n'avait pas d'argent. Pourquoi elle avait quitté Phali pour se jeter dans les bras d'un homme, un homme blanc en Allemagne? Si ça, ce n'est pas la, si ça, ce n'est pas la prostitution, comment vous appelez cela? Et puis, elle a quitté le monsieur là. Le monsieur là, je ne sais pas, il était mort, quelque chose comme ça. Et là, quand elle a vu que Phali a commencé à progresser, elle est venue avec les médicaments de fétiche pour détruire le foyer de Phali, pour qu'elle puisse prendre de la place. Qui ne connaît pas ça? Maintenant, vous qui faites des vidéos inutiles, vous les gigolos, les pédés des femmes là sans valeur, vous les femmes qui ne comprenez même pas la généalogie de l'histoire, vous êtes venus seulement dans les histoires comme ça, faire des analyses sans connaître la généalogie, l'origine des problèmes. Quand je parle de généalogie, je sais que je vais vous perdre. Non, maman, pas ça. Je sais que tu es perdu, tu ne comprends pas ce que signifie généalogie. Généalogie, c'est l'histoire du débit, l'évolution jusqu'à là où elle est. C'est ça la généalogie. Vous êtes venu à la fin de l'histoire. Vous ne connaissez pas comment l'histoire a commencé. Avant de traiter Nicky Menga, quoi que ce soit, il faut vous adresser d'abord à Tina Ipupa. C'est Tina qui a commencé tout ce désordre sur les réseaux sociaux. Si elle savait comment se taire, si elle savait la valeur d'une tante, si elle savait la valeur qu'elle avait dans la famille, elle ne pourrait en aucun cas parler de la sorte. Puisque c'est la femme qui, c'est elle qui est la divisionniste, je ne sais pas comment dire, la femme qui fait la, qui crée la division dans la famille. Une femme soi-disant tante, qui devait rassembler tous les enfants, puisque un homme comme Phali, c'est une star, il peut avoir des enfants partout, mais le travail de la tante, c'est de rassembler les enfants. C'est de rassembler les enfants. Et soyez comme maman Rifan à London. La femme qui a le caractère d'une femme. Une femme qui sait rassembler les enfants de Koufi Olomide. Mais c'est toi, Tina Ipupa, qui ne comprennes même pas la réalité d'être une tante. Juste à cause de petites miettes, tu te mets à transporter, tu deviens comme les sacs à main de la concubine de ton frère. Ma chère, ça, toi, ça, c'est quoi ça? Et puis, quand j'ai fait des révélations pareilles, il y a une dame qui est née dans la prostitution. Une dame qui est venue, qui est sortie d'une famille sans valeur, sans histoire. Une femme qui a passé toute sa vie dans la rue, dans la prostitution. Maman m'a pas ça. J'ai besoin de connaître ton nom. Si c'est Claudine, j'ai oublié ton nom. C'est toi qui veux me donner des leçons morales, ma chère. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, ma sœur. Tu es apôtre, mais tu es comme si une vilaine comme ça. Je ne te comprends même pas. Je pense que la prochaine fois, tu vas tourner ta langue 7 fois avant d'insulter les gens. Nicky Menga n'est pas ton ami. Vous n'avez pas le même âge. Vous n'avez pas les mêmes points de vie. Elle, elle a couché avec une star internationale du Congo. Et elle a fait des affaires avec la star internationale du Congo. Mais vous, là, vous aviez fait des affaires avec qui? La question la plus importante, d'abord, c'est ça. Maman m'a passé. Toi, tu as fait l'enfant avec qui? Puisque Nicky Menga, dans le CV de Nicky Menga, elle a fait affaire avec Phali Ipupa. Elle a éduqué les affaires de Phali Ipupa. Les affaires de Phali Ipupa ont réussi l'école grâce à Nicky Menga. Les affaires de Phali Ipupa ont un toit sur leur tête à cause de Nicky Menga. Les affaires de Nicky Menga, de Phali Ipupa, mangent à cause de Nicky Menga. Maintenant, toi, donne-nous ton CV. Qui est ton mari? Tu as fait affaire avec qui? Tu as fait affaire avec qui? Combien d'hommes tu as couché avec avant le mariage? Avant même d'avoir. Tu as couché avec combien d'hommes? Boulawayo. Une dame Boulawayo, c'est elle qui vient venir vraiment sur les réseaux sociaux me donner de l'éducation. Tu vas me donner quelle sorte d'éducation? Tu n'es même pas capable à t'éduquer seul. Tu n'es pas capable à faire respecter ton copain si tu es un copain.
la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu parles, tu insultes les gens matin, midi, soir. Tu penses que tu es à l'auteur de m'affronter? Ma chère, tu as perdu la guerre. C'est Gilmas.